La vie est pleine de défis, de difficultés et d'obstacles qui se présenteront toujours sur notre chemin. Parfois, ces défis peuvent sembler insurmontables, comme si nous étions pris dans un tourbillon de douleur et de désespoir. Mais je suis ici pour vous dire que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même si elle semble parfois très faible. J'ai moi-même traversé des moments très difficiles dans ma vie. J'ai connu la faim, la pauvreté et l'isolement. J'ai été confronté à des choix difficiles et j'ai commis des erreurs qui m'ont coûté cher. Mais ce sont ces défis qui ont forgé ma personnalité, qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ces défis que j'ai développé ma force intérieure, ma résilience et ma détermination. Je sais que beaucoup d'entre vous sont également confrontés à des défis en ce moment. Peut-être que vous traversez une période difficile dans votre vie professionnelle, que vous luttez pour trouver un emploi, que vous avez des problèmes financiers, ou que vous traversez une crise personnelle. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous confrontés à des défis à un moment ou à un autre de notre vie. Mais ce qui fait la différence, c'est la façon dont nous réagissons à ces défis. Vous pouvez choisir de vous laisser abattre par la douleur, la peur et le désespoir. Vous pouvez choisir de baisser les bras et d'abandonner vos rêves. Mais je vous le demande, est-ce vraiment ce que vous voulez pour votre vie? Je vous encourage à faire un autre choix. Un choix qui consiste à puiser dans votre force intérieure, à puiser dans votre détermination. Un choix qui consiste à relever la tête et à affronter ces défis avec confiance et détermination. Vous êtes capable de surmonter ces défis. Vous êtes capable de trouver des solutions créatives et innovantes pour résoudre ces problèmes. Vous êtes capable de vous relever après chaque chute et de continuer à avancer vers vos objectifs. Ne laissez pas ces défis vous définir. Ne les laissez pas vous briser. Au contraire, utilisez-les comme une occasion de grandir, d'apprendre et de vous renforcer. Utilisez-les comme une occasion de vous connecter avec vous. Je sais que cela peut sembler difficile, voire impossible, mais je vous promets que c'est possible. Vous pouvez surmonter ces défis. Vous pouvez vous élever au-dessus de la douleur et de la souffrance, et atteindre de nouveaux sommets dans votre vie. Je suis là pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous guider sur ce chemin difficile mais gratifiant. Ensemble, nous pouvons traverser ces défis et en sortir plus forts, plus résilients et plus déterminés que jamais. Ne laissez pas les défis de la vie vous abattre. Au lieu de cela, choisissez de les affronter avec courage et détermination. Vous êtes un être extraordinaire, avec beaucoup de talent. Ne laissez pas les défis de la vie vous étouffer. Apprenez à respirer. C'est dans les moments les plus difficiles que nous découvrons notre vrai potentiel. C'est dans les moments où nous sommes poussés à nos limites que nous trouvons notre force intérieure. C'est dans les moments où nous sommes confrontés à des obstacles que nous trouvons notre créativité. Alors, je vous encourage à relever la tête, à regarder ces défis droit dans les yeux et à choisir de vous battre. Choisissez de vous battre pour votre vie, pour vos rêves et pour votre avenir. Je crois en vous, je crois en votre potentiel et je crois en votre capacité à surmonter ces défis et à atteindre vos rêves.